بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parmi les points essentiels qui nous fait ressortir, c'est concernant la première révélation. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un appel depuis Jibril alayhi salam, Iqra, lire l'événement qui montre nous la première révélation, quand il dit Anma anabi qari, bon, pas qu'on dit, jusqu'à qu'il y a la fin. Il répète après Jibril alayhi salam. De là, montrez-nous l'essentiel de la connaissance. Nous pourrons lire en deux. Et il y a une connaissance qui venait, qui nous dit religieuse, dans nos dînes, et une connaissance islamique. Et il y a une connaissance qui venait mondaine. Beaucoup de musulmans, nous avons l'impression qu'il n'est pas important connaissance mondaine. Donc, il y a une tendance pour plus consacrer les à connaissance akhirat. Sans aucun doute. Connaissance akhirat veut dire concernant son religion, il y en a plus valeur. Mais seulement, il ne faudrait pas nous penser que connaissance mondaine, c'est une connaissance puis n'a aucune valeur du tout. Au contraire, si nous guettons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'étant divini, avec la révélation, les dire sur mon compagnon. Il n'y a pas besoin qui connaît écrire. Est-ce qu'il va nous apprendre à écrire parce qu'il y a une chose besoin d'écrire le Coran ou bien je n'apprends à écrire comme une connaissance? Je vois que connais une chose besoin d'écrire le Coran. Même si nous guettons l'exemple de mon prophète auparavant, quand nous guettons Youssouf alayhi salam, depuis tout petit, ce bon frère fait plan, c'est-il depuis, il rentre dans la case qu'il y est accusé, il rentre de prison, il sortit de prison, il dirige l'Égypte. De là, pour où dirige un pays pareil, concernant, comme on nous dit, sa finance, son manger, bois, etc., il faut donner une connaissance. Ça. Youssouf alayhi salam, quand tu sais apprendre ça, c'est connaissance qu'Allah vient de donner. Donc, de là, il ne faudrait pas nous penser que quand nous trouvons une personne qui réussit en tant qu'un docteur, en tant qu'ingénieur, en tant que profession qui pour elle, la religion, nous décourage. Il ne faudrait pas nous penser que nous n'est pas utile pour notre religion. Fausse. Au contraire, un musulman, c'est un quelqu'un qui profite les autres. Il est capable de profiter les autres côté religion et il est capable de profiter les autres de la vie mondaine. Il ne faudrait pas demain nous penser à une personne, il y a la prendre à titre d'exemple, il y a le mémorise le Coran, ensuite il y a un fait imam. Non, il est capable d'être docteur. Mais il y a un hafiz du Coran. Il est capable d'être comptable, mais il y a un hafiz du Coran. Il est capable d'être professeur, il y a un hafiz du Coran. Connais l'éternel, divise les deux, ensuite nous faisons une option. Soit tu choisis ici, soit tu choisis là-bas. Mais si nous guettons, nous, la première révélation qu'on est venu comme lire, au nom de l'Europe, toute la connaissance qui est dans la terre, ce n'est que. Ce qui Allah subhanahu wa ta'ala même l'ifin, enseigne-nous. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.